Bien, pour la partie 2, bienvenue sur T'Eternel, le Conseil Galactique Temporel, ministère de l'Extérieur de Chris de Nice. C'est un film qui s'adresse directement aux enfants et à Nicolas Hulot pour parler des abeilles. Ça s'adresse aussi à Werber qui parlait si bien des fourmis. Alors, les abeilles de ville. En fait, elles se bourrent la gueule. Alors, les abeilles de ville, qu'est-ce qu'elles ont ? Ou alors, elles sont SDF, elles n'ont pas de ruche, elles n'ont pas de maison, elles sont clochardes. Alors, elles picolent. Les fruits fermentés, les fruits qui pourrissent, ça donne de l'alcool. Tu n'en verras pas une qui a du miel, qui fait du pollen. Tu vois ? En fait, elles se défoncent la gueule. Ou alors, elles n'ont plus de reine. La reine est morte à cause des insecticides et ce que tu veux. Mais tu peux y aller. Elle ne va pas te piquer. Elles sont là. Hop. Hier, il y en avait des millions à devenir fous. C'est comme l'eau, c'est la vie. Les abeilles, c'est la vie. Sans déconner. Gaspiller le moins d'eau possible. C'est pas les poufias qui se prennent 8 douches par jour pour... Hein ? Je dirais pas les noms, mais... Donc les abeilles, ça va pas non plus. Pour faire comprendre, mais des fois il y en a des millions. Là, je voudrais vraiment que vous compreniez quand il y en a des millions. Je vais remettre la cagette, je vais attendre un peu. Voilà. Je suis vraiment le Robinson du cosmos. Et toujours pour répondre à la question, comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos esprits morts ? Ils vous ont débranché l'âme, le libre arbitre, la subconscience. Par pollution électromagnétique. C'est voulu, c'est calculé. C'est comme les puissances du mal de Jean Edernalier. Tout ce qui est au pouvoir, ce sont les puissances du mal. C'est eux la mafia, la pyramide de mes couilles, le nouvel ordre mondial. Le seul truc, c'est que moi, j'étais de l'ordre des insultus de Soumerdicus. Et moi, j'aime ma planète, je veux des lois planétaires. Un gouverne vrai, un discerne vrai. Tout qu'il soit vrai. On va la remettre cachée là-bas. Elle se sent plus en sécurité. Tu vois. Seul le devenir de l'ensemble compte. Pour comprendre sa position dans l'espace-temps. C'est-à-dire que je me répète, mais c'est toujours les 90% du cerveau qui vous servent à rien. C'est pas branché. Travail, ça vient du grec, ça veut dire torture. Ou on travaille pour l'ensemble, ou alors tout part en couille. C'est ce qui est en train de se passer sur Terre. Tous les tonneaux. Pourquoi je ne me suis pas baigné cette année ? Parce que je pense aux tonneaux d'uranium, tout ce qu'ils ont balancé dans la mer. Ça doit faire une électrolyse. Les voitures électriques, l'économie responsable, l'écologie durable, transition écologique. Vous voulez faire quoi de toutes les batteries, là ? Toutes les bagnoles électriques, quand elles sont mortes. C'est pareil qu'une barre de plutonium, faut pas croire. Hein. Il y en a des millions. Tout ce que vous dites à la télé, c'est que du pipeau. Et les gens regardent ça comme un évangile. Ils feraient mieux de le vivre, l'évangile. À la Nicolas Bulot, moi, quand je faisais mes débuts de l'éternel, depuis 2008, j'étais chef d'atelier, bon, virtuel, à Feu Vert de Terre. Elle, Feu Vert de Terre. Mais là-bas, j'ai tout vécu. C'est-à-dire que la première fois, quand j'ai été
licencié par Pierre, ça m'a donné ma licence de Saint-Pierre. Quand j'ai donné ma démission à Luc, de Pourtant Saint-Luc, de Pourtant Saint-Pierre, eh ben, ça m'a donné la mission de Saint-Luc. Donc c'est pour ça, Nicolas Hulon, il a la mission d'Emmanuel en Saint-Nicolas. Moi, j'étais en Saint-Christophe. Moi, je suis le patron des voyageurs, lui, c'est le patron des écoliers en même temps. Là, il ferait mieux de s'occuper de l'éducation nationale plutôt que d'une éducation nationale permanente. Si tu veux, c'est pour les enfants aussi, parce qu'à partir de 7 ans, on commence à te formater le disque mou. Et on commence à... On commence à t'endoctriner dans... Oui, travaille bien, tu auras un beau travail, oui, nanani, nanère. C'est pas ça du tout. Réussir sa vie sur Terre, c'est rater sa vie en l'air. Apprendre aux enfants, être riche, c'est mal. Être très riche, c'est très mal. Être très, très riche, c'est très, 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 très mal. On s'en fout des trucs qui brillent, la belle bagnole, tout ça. Ça devrait se partager à tout le monde. Ça. Arrêtez de bouger cette planète. Voilà, voilà. Envoyé spatial, cosmospatial, astral. Il dit bien qu'il y a trois sciences, l'astronomie, l'astrologie, l'alcoolologie. Ben, je suis chef. Pour être alcoologue, il fallait bien être alcoolique. Pour être psychologue, il fallait être psychopathe. Par contre, être psychiatre devient criminel. C'est vous qui faites des tueurs. Finissez de débrancher complètement le cerveau. Les gens qui sont en psychiatrie, ouais, qui sont malades, c'est pas eux qui sont malades, c'est ceux du pouvoir. C'est de l'inconscience. Votre science est de l'inconscience. Vous n'avez pas conscience de votre subconscience. C'est compliqué mon truc. Mais... C'est comme le paradoxe de l'oxymore, du protocole du contraire de l'inverse. Quand même comprendre qu'on a une troisième couche au cerveau, mais c'est pas branché. Tu vois, et tout est fait en sorte de baisser les... Voilà, voilà, voilà. Non, pas beaucoup de problèmes. Hein. On arrive en string plan. Les abeilles savent que si elles piquent, elles vont mourir maintenant. C'est l'âme de l'ensemble. Mais si même les abeilles font grève, et ou qu'il n'y a pas de ruche, ou qu'il n'y a pas de fleurs, ou qu'il n'y a pas de reine. Les fourmis, ils ont une reine. Les abeilles, ils ont une reine. Les fourmis, c'est pour Verbère. Les abeilles, c'est pour les Mayas. Dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas. C'est tout, c'est comme ça. Supprimons l'argent et nous restera le temps de vivre dans l'espace. Ô Seigneur, Maître Tout-Puissant de l'espace et du temps, dans l'espace-temps, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ah putain, j'arrête pas d'avoir plein de bénédictions cosmo-cérébrales. En supraconduction, synapsoïdale, paracouphène. Bon, vous pouvez pas comprendre encore. Il y a l'ADN du sang, mais il y a l'ADN de l'esprit. Voilà, voilà, voilà. Envoyé spatial, portée éternelle. Patché salut, inchalamen, iraim. Ça, c'est pour les monothéistes. Protestodoxe, brahmo cistercien, bouddhisto bétain, et puis tout ce que tu veux. Moi je suis pour tout le monde. Il faut des lois planétaires. On a tous un trou au cul. C'est tous caca pareil. Seulement il y en a qui mangent que de la merde et il y en a qui mangent que des trucs de luxe. Comme moi, Nicolas, et maintenant il a bien goûté au luxe. Bon, il avait déjà goûté. Hein.
à l'ultra luxure, salope du pouvoir. Et il n'a pas vendu son âme. C'est une très bonne chose, une bonne nouvelle pour la planète.